il a mais Jeff Kanaan, même si Jeff t'a voulu conquérir Akaye, est-ce que c'est Jeff Kanaan qui envahit Akaye? Et quand c'est des nègres qui gagnent la gang Kanaan, pour un nègre d'associé Kanaan, pour le progresser dans la Akaye, on m'a dit qu'on fait ça. Il y a des gens qui ne connaissent pas la route noire du tout, mais il y a des gens qui connaissent et il y a des gens qui connaissent la route noire. L'offre qui était bon repos, vous pouvez tomber sur la route noire, ou bien sur la route noire, en face de Canaan, bien que Canaan, puis pas net, oui. Et tellement il était pour une zone net, et puis il prend tout le monde. Canaan avec les Titans, c'est la même zone. Il est gros, et puis il est presque arrivé et cabaret. Quand il y a et combien de gars sont vous Jeff Tagen comme soldat pour quitter Dol Canaan? Quand la soldat qui était dans le Canaan pour lui, après ça pour progresser, passer cabaret, quitter Titan derrière, al cabaret, quitter cabaret derrière pour aller prendre un cahier. Et ça m'a dit un petit kilomètre route quand même. Quand la qui j'en pour nexer sécuriser, parce que depuis hier avec ça m'a réfléchi. Moi, où mettre montrer machine nègre boulet? Son mon akaye mon met apese rele yem pat ka jwenn nan c'est ti vidéo ça pour moi hier matin hier après midi l'a réussi gagner mais quand c'était machine nèg boulé non la cou et hier matin l'a réussi joindre et l'a réussi joindre message moi me rele et puis il voyait ça pour moi pour dire moi il mettait là l'abri parce que moi plusieurs mon akaye moi même quand la question m'a posé tête moi j'aime t'a dire non qui il a mis Jeff Gagné, même s'il est vivant ensemble. Mais vivant ensemble, il n'y a pas tout le monde vivant ensemble. Il a mis ensemble avec lui et puis il a mis ensemble. Il a dit que c'est un canard au Calais. On a fait tout qui nous met ça pour arriver dans une zone à Calais. Qui, Jean, la police fait pas qu'à s'en yo. Parce qu'il a quitté deux de. Il y a une zone qui n'est pas une zone. On a loin zone qui pas zone. Je pas occuper d'ailleurs pas été. Je pas été c'est parce que pas gain effectif pour occuper espace là puis semble une résistance tout. Parce que là sont petit côté qui puis près cabaret que n'est arrivé entrer. Mais pas entrer dans ville à Kaya. Qu'on y a qui de toute façon qui va arriver rentrer dans ville à Kaya mais côté arrivé là. Qui bon Dieu veut une quantité monde pour couvrir toute doule. Parce que al point territoire c'est une mais occuper là c'est deux. Qu'on a là si c'est grand ravine qu'a prendre qu'a faut faire. C'est deux quartiers collés, c'est pas ce même quartier là. Il est facile que les gens viennent monter dans les cafés, ils ne pas faire. Parce que zone sont collés. Ils ne peuvent pas quitter deux d'eux. C'est une en train de l'autre. Mais si un groupe gang sorti Pétionville, par exemple, il ne peut pas prendre Boudon. Mais il y a une partie de qui est d'eux. Qu'on a quantité de monde qui a besoin pour faire ça. Non pareil mais ça nous veut moi les début ou bien pareil elle bam moi qui monde d'accord qui monde pas d'accord et parce que moi pas un spécialiste là bah m'a posé m'pas militaire monde gamba la je nous veut moi les début ou bien nous pas veut pour me poser la question il y a plusieurs monde dit mettre elle mon YouTube dit mettre elle mon Facebook yo bon est-ce que mon téléphone il m'a dit par contre si mon téléphone rebite non dans cette question ça. Et m'a quoi m'a téléphone rebu non? Oh m'gen. Y'a m'espérer c'est bon, et bon voir l'algain. Faut que son monde stratégique quand même pour me poser question ça. Parce que si vous Jeff sorti Canaan pour l'attaquer à Kaye, on entend nous. Pour pipi si l'gain y'a. Y'gon 2000 moun, y'gon 2 à 3000 moun avèl pour l'occuper. Ma vienne colonel là non et bon que c'est des bons ou pas bon monde qui parle là c'est des stratégies et m'a parlé m'pas militaire moi même m'pas connait rien m'pas parler des bagages m'pas connait parce que bon gros problème en Haïti le fait que mon n'a parlé dans radio bien dans média réseaux sociaux gros paquet mon capitaine il pense sur expérience dans tout bagage moi m'pas connait ça pas et pas expertise pas moi son monde qui a expertise là pour me d'aller demander. Si vous m'avez dit que vous avez appelé le nom. Pour moi, si vous avez venu là, vous avez pas la velle. Parce que c'est pas un bon problème. Jeff n'a pas quitté Canaan pour aller à la caille. Vous comprenez?
Des fois qu'il quitte Canada pour la carrière, seul va joindre. Je vais faire un message vocal. Je vais faire un rébut pour me demander l'explication sur. Est-ce que je suis un policier? Qui policier me d'abord là? Qui policier me capable de prendre? Parce que je vais même pas l'intrigue. Je vais l'intrigue moi et je vais envie de gagner une réponse au problème ça. Parce que qui est en zone pour aller en l'autre zone, monsieur, et qui a combien de kilomètres de route? C'est comme dans le nègre t'as le point et qui est encore des sodo. Nègre sorti d'un album sodo. C'est presque même bagarre là. Nègre là font pas quatre routes quand même. Route là c'est vrai, il est pas long. L'on fait pas titan. Mais quand même, on a bon petit kilomètre tout fait. Ou font 6-7 kilomètres pour arriver. Est-ce que nègre là qu'a couvri et quantité de kilomètres ça? Pour le couvrir, pour le protéger tête de vous si la police a venu, pas d'elle. Et puis quand la poule goume à mon côté le bras, parce que Akaye mon yo passe, non, parce que mon yo pas bon, il crée qu'on a vint baye yo. Mais il y a une bonne brigade d'Akaye tout. Donc, il n'y a qu'Akaye fait brigade. Et puis deuxièmement, la police, ça a bas en quantité. Et je vais venir mon nom là, monsieur. Comme si là, je ne pas joindre un haïtien qui a bon mon explication tactique sur le plan militaire sur ça. C'est là, c'est là, toi, tu. Comment nous y est? Mon frère, où live là? Ou live parce que ma frère son expert là pour m'a gagne besoin moi les colonel rebi m'pa ka joine ni et puis grand public là bon conseil yo di m'relo oh avec plaisir pas de problème non m'relo où moi venu nous mon cher c'est un problème m'a posé là au niveau de nèg canarin qui envahit akaye qui quantité moun stratégiquement on gagne besoin m'pa konn combien kilomètres qui gagne entre canarin et akaye mais qu'on y a qui je vous dis à l'attaquer akaye pour quitter tout espace à l'endol, pour la police, pas casser nil. Est-ce qu'on pense que c'est quantité de monde, monsieur Gagné, l'occupe espace là, ou bien le fait qu'il occupe cabaret, ça a la possibilité pour l'attaquer à KS sans que lui-même n'ait pas couru aucun danger. Bah, non, une explication, non, comme militaire sous bagaille ça. Alors, non, plan sécurité, il y a, faut distinguer environ quatre catégories, car, dépendant de gens gagnés là, on va comprendre qui attaque le fait. Il y a un gang, c'est un expansionniste, il y a un gang qui est fédérateur. Il y a des gangs qui, moi je t'ai dit, ils ont pas déplacé, ils sont sédateurs. Et puis, il y a des gangs, c'est des atteignants de l'autre. Donc, gang qui est expansionniste, c'est des gangs qui occupent un côté avec intention pour aller en l'autre côté. Mais parce que là, dans la catégorie, justement, Jeff Canarin, d'ailleurs, qui sortit de l'ISO. L'ISO lui-même, l'ISO est Jeff Canarin, et Jeff Canarin lui-même, il avait fait expansion en l'autre côté. Gagner gang qui sédateurs, c'est des gangs qui vivent d'un seul côté, ils occupent les zones, et puis ils ne sont pas déplacés. Quand vous avez gagné l'université soleil, ils ne sont pas déplacés. Les gangs qui fédérateurs, quand vous avez G9, ils ont essayé de rallier l'autre. Mais quand nous sommes là, ce sont des gangs expansionnistes, c'est-à-dire que gang, côté de l'université là, la PCE à la conquête de l'autre territoire. Donc ça veut dire que pendant l'île là, la PCE mettait des antennes pour préparer l'autre côté. Donc seulement sur les attaques la fête, ça veut dire que pendant longtemps, la préparer ça. Et là, c'est l'intelligence, la police, qui a, à partir du moment où il identifie les gangs, parce que quand la police identifie les gangs, pour connaître comment pour faire agir intelligemment. Mais, colonel, quand la police est technique, qui a fait pour tout kilomètre ça pour l'aller? Eh bien, comment faire prendre? C'est que dans l'expansion initiale de base, il mettait des appels, il préparait à ta place, c'est-à-dire que l'équité monde, assez de monde côté livré occupé comme base là, et puis, le ça, avec Antonio, l'attaquer de l'autre côté. Son préparation qui venait là. C'est pas un bagage que le fait du jour au lendemain. C'est pas un bagage que le pense que je dis à la bataille et puis l'aller. Parce que lui consolider position, lui mettre des appels, afin que arriver dans leur position. Si j'avais expressionné ça, si la police vient pour mettre les gens, si la police, c'est pas simplement à KR, après ça va laisser à monter plus haut toujours. Parce que lui-même, l'intention, c'est occuper des territoires et l'un après l'autre, de façon à ce qu'on ait plus d'influence. Donc, ça va être fait hier là, son bagage que depuis 4, 5 mois, 6 mois, si la police va suivre, la police après que il y a un thème qui est placé, la police après des mouvements qui fait, il y a des gens qui recrutent dans la zone là, c'est pas nécessairement avec base et principale de l'école, l'école avec des bases secondaires que l'aller pour faire expansion dans le territoire. Mais qu'on est là, le nègre lui-même vient de territoire ça, par exemple, on nous dit à Kaye, parce qu'il y a une résistance qui est arrêté. Mais qu'on a qui s'est empêché que la police lui-même, et question de ça, oui, comment est-ce que le nègre a gagné pile kilomètre que le quitte des doules pour arriver là?
On a qui empêche que la police pas cerner. Justement, c'est que dès que la police, alors avant même que vous prenez effet là, la police, depuis son programme expansionniste, au moment où il a préparé l'autre attaque, il a déplacé à en partie quand même de troupes. La police fait qu'elle doit quitter cette attaque là et puis attaquer la base principale là et puis tout profiter de cette Léo. Il y a des moments extrêmement importants que la police n'a pas perdu. Parce que là où elle a attaqué l'autre, il y a une partie dans la troupe principale là quand même qui est déplacée. Et c'est même ça que la police, moi, passé. C'est vrai, justement, fait enveloppement pour eux. Parce que ça vient arriver. Jusqu'à présent, c'est vrai, il y a tout le monde. Il y a tout le monde qui est sur le bien. Plus il y a un droit à la 15, il y a un droit à la 4, il y a un droit à M16, il y a un droit à la Kalashnikov. Plus il y a un droit à son fusil, il y a un droit à 756 ou 762. Donc, il n'y a pas de l'autre arme, il n'y a pas de l'anti-tank. Donc, la police, jusqu'à présent, a une supériorité de feu qu'elle devrait utiliser par rapport à nos problèmes de criminaux pour que l'un. Ça lui a produit pour lui mettre en puissance de feu supérieur de l'homme pour te profiter non seulement débarrasser les gangs principales là, mais tout débarrasser de tout à l'heure. C'est un moment extrêmement important que la police doit profiter de son opération qui est basée sur la supériorité de feu, puisque la police est au moins par exemple pour vous blinder, qui ont même leur supériorité par rapport à la fusée d'assaut dans les rires. Mais quand il y a la police, non, elle n'est pas formée pour passer ça, on va d'accord même son derrière à Ribénier. Exact, moi d'accord. La police n'est pas formée pour ça. Et nous venons de voir quelqu'un qui est dépassé par les événements. Côté que c'est vrai qu'on l'a mis là, mais qui l'a mis là, mais effectif là. Et puis, déjà, je ne sais pas qui matériel qu'il gagne. Moi, je pense que tu as parlé même dernièrement, ça compte 4-5 mois. Ou tu as dit que tu as un plan national de sécurité. Ou pas déjà mettre en face dirigeant. Oui, moi, je me suis dit, ni par les CPA, ni par les trucs battus. Alors, moi, je m'explique aux questions à proposer. C'est vrai, nous devons la police, et la police divisée en deux parties. La police administrative, qui sont la police préventive, et la police judiciaire, qui sont la police répressive. On ne peut pas bien comprendre. La police administrative, là, c'est ça qui est en premier bleu, qui est dans le commissariat, qui a exécuté le mandat, qui a fait circulation, et qui a sidéré un trouble qui a dépassé le cas de 50 monde, qui a arrêté eux-mêmes. Mais la police répressive, là, c'est DCPJ et médecin de l'ordre, là. Donc, deux types de policiers, ils n'ont pas préparé pour guérir. Je suis complètement d'accord. Mais ça privé, c'est que dans la police, il y a des unités spécialisées qui ont entraînement de police militaire. L'autre soit film. L'autre abîme, je viens des entraînements police militaire, c'est peut-être un plan, hein, mais je vous recommande que la police administrative a toujours été travaillée et nous a formé environ 600 policiers de type, je l'ai dit, police répressive, qui sont pour unité spécialisée. Parce que l'unité spécialisée sont police militaire qu'elle dit. Et c'est peut-être ça, pour préparer avec ça qui est là, former unité tactique antidamio ou bien unité soitio qui pour eux-mêmes. En retour, tu fais face à la question. Ça veut dire la police n'a pas préparé. C'est vrai, c'est la police administrative qui n'a pas préparé. Mais la police judiciaire et la police spécialisée, ils préparent par rapport à la question. Ça, puisque bon, ils vont suivre une unité spéciale. Parce que c'est eux-mêmes, une police soit là, qu'on puisse préparer que la meilleure par rapport à ce type de guérilla urbaine. Mais cependant, ça vient arriver, ma question à la police là. L'enfinger est un plein de l'enfinger est police spécialisée. Faut faire en dedans, faut organiser. Parce que sur des polices spécialisées, qui ont évolué même dans la tête en mal, eh bien, il n'y a pas de résultat à avoir des AUB. Par exemple, au lieu de gagner soit TIM, au lieu de gagner UTAG, au lieu de gagner plusieurs unités spécialisées, bah, il y a une seule formation de guérilla urbaine qui va permettre de gagner un bataillon qui paraît pour que vous fassiez face à Bandi. Par exemple, Blende, jusqu'à présent, sur la Blende, vous quittez en Blende individuel. Par exemple, vous avez un Blende qui est pour son côté, ou vous avez un Blende non. Deux fois, c'est face à guérilla urbaine, c'est une unité de Blende. C'est une unité qui est la même, qui apparaît sur les lieux, qui fait première puissance de feu et qui permet que l'autre unité de même évolue pendant la puissance de feu. Ça veut dire pénétration, pénétration, c'est l'équipe pour faire. Exactement, il fait première pénétration et là, ça, on ne parle pas de Blende. Puisque la fait première pénétration, l'autre unité spécialisée a évolué pour qu'il y ait éradiqué Gagnon. Malheureusement, ouais, il a servi à l'unité Blende quand il a fait médecin de l'ordre. Il a été en deux unités Blende, il a tiré et puis allé. Médecin de l'ordre là, c'est l'ordre qui est en deux Blende pour lancer gaz là. Et puis là, ça, comme c'est manifesté, il y a allé et pour venir. Mais là, on va des manifestants en face. Ou bien, il y a fait guérilla. Et si il y a fait guérilla, l'un aussi réel va courir. Son puissance de feu excessive qui pour faire courir et puis pour l'autre unité, il y a même évolué. Donc, pour le moment, nous avons des matériels, nous avons des policiers formés. Mais nous n'avons pas gagné le leadership qu'il faut organiser et qu'il faut mener l'opération souterraine et sa privée. On y a deux bagailles, trois bagailles là. Il y a un poisson d'écran annoncé le fait, AKR annoncé le fait à demi, parce qu'il n'est pas arrivé pénétrant dans le village, il y a besoin là. Et puis il y a un léogane qui gagne pression sous tête. On y a qui ça fait que
la police n'est pas capable de faire prévention à un bagage qui est annoncé. C'est pour que je puisse l'annoncer. Akaya a été annoncé depuis plusieurs semaines, il y est. Nous tous connaissons que les organes ont une menace sur la tête. Ça peut pas faire là lui-même. Combien d'agents? Est-ce que son bagage gouvernemental ou bien son bagage police, police, police? Non, les plus que police. Son bagage que de l'État. Parce que je dis à côté de nous, rivés, sécurité, ils ont une grande partie qui est police militaire, mais ils ont une grande partie qui est l'État. Par exemple, dans le plan sécurité, moi, je dis, mais ça pour l'État a fait pendant trois premiers mois. Je demande pour l'État plan, justement, et l'État d'urgence là. Mais l'État d'urgence là, c'est pas Jérôme là. L'Europe est d'urgence, l'État est à réquisitionner eh bien, matériel et matériel, l'État est à réquisitionner certains lieux pour que pendant trois mois, il y ait occupé. Il y a 30 mounes qui sont vraiment dans l'État d'urgence. Bon, maintenant, malheureusement, il n'y a pas fait ça, il y a juste l'État d'urgence. Et puis, mon impression, c'est communication dans ce souci, mais l'État d'urgence, il n'est pas en application. Maintenant, pas pour l'État, l'État en général, tout est fait par rapport à ça. Il faut vraiment pour l'État catégoriser bien sûr. Sous garder sens au Dieu, c'est gang expansionniste qui a essayé d'aller dans l'autre côté, que ce soit les organes. Que ce soit Ataïen, que ce soit Poissonnier, c'est des gangs expansionnistes. Deuxièmement, Gang Zayo, il y a toujours besoin de terrain pour que y ait faire recette. Donc, il y a besoin de territoire, il y a besoin de route. Donc, pour le bagage, intelligence la police, là, c'est doit identifier, avant même gang l'a annoncé, quand l'intelligence a été un rapport quotidien, pour dire, mais qui est intentionnel de Zayo, et mais comment nous allons contre Zayo. Donc, on défaut d'intelligence. La police, pour le bagage, la police doit faire, et nous dit l'accord, et l'État doit faire, essayer de la police comme pour intelligence, là, pour que vraiment, tout ça se passe, la police a bien un briefing, chaque soir, de comment il y a des volumes. J'ai l'impression qu'il y a bien plus d'intelligence que la police. Deuxième bagage qui est important, eh bien, par rapport à la distribution de matériel que l'on a sous territoire, la police libère repartir en fonction de catégories gang. Il y a des gangs sédateurs qui passent, justement, ils passent et aller de l'autre côté. Il y a des gangs qui sont fédérateurs, il y a des gangs qui sont expansionnistes. Deux gangs qui sont dangereux aujourd'hui, c'est expansionnistes et fédérateurs. La police doit faire un redéploiement de matériel en fonction de territoire que le gang a occupé. Et en fonction de ça, il faut le bloquer pour dire, il ne faut pas quitter ou faire expansion. Et là, il faut le bloquer, l'intelligence lui doit permettre de faire opération. Pour le moment, j'ai l'impression que la police a couru des gangs. Le combat est passé, et puis, pour sortir la police, courir à lui. Le combat est quand vous êtes gangs qui a mené la police. Alors que la police a position pour que les catégories de gangs, les bloquer l'expansion, ils disent, bon, côté nous, il y a la loi, et troisièmement, ils préparent une autre opération. Parce que je dis, c'est la police qui fait puissance publique là. Donc là, c'est l'exception. Donc, je dis, si pour nous reprendre pour dire ça, la police doit faire avec l'État, ranger question intelligence, hein, pour que je connais exactement ça. Ça me suis fait chaque jour. De river dans une situation bloquée expansion. Ça veut dire que redéployer pour vous en fonction de grands gars qui voulaient faire expansion. Et puis troisièmement, préparer l'autre opération. Mais autre opération, qui vient cinq paragraphes, le dernier paragraphe là. C'est ça qui est important, c'est consolidation, et c'est là que l'armée a joué. Parce que je dis là vraiment, l'armée a pour qu'on gagne entraînement pour le gagner, pour le café, pour le briefer. L'armée a deux noms. Au cas où il y a une morale, une volonté, une sorte de vouloir faire. Mais pour le moment, l'armée n'a pas gagné entraînement vraiment pour le café. Une idée spécialisée, il y a plus d'entraînement. Donc, l'armée a réfléchi à consolidation. C'est-à-dire, après chaque opération que la police doit faire, et bien puisque la police n'est pas des effectifs. Assez pour faire consolidation, il faut quitter l'armée, faire consolidation pour que chaque territoire finisse grand et vu l'armée était la donne, au moins l'armée l'a protégée, puisque dernière fois que l'armée était occupée à l'Opora, nous elle était protégée à l'Opora pendant que le dernier l'avait rentré. Donc, c'est-à-dire que l'armée a quand même un travail sur le défait. Et moi, je pense si, un, ils ont fait l'intelligence là, deux, ils ont fait redéploiement en fonction de matériel pour bloquer gang expansionniste à gang fédérateur, trois, ils ont arrivé dans une situation, fait haute opération tout en intégrant l'armée, c'est ça que la population a appris que. Nous sommes si grands, oui, nous descendons du centenaire, de 17 mètres. Donc, avoir un vote qui fait chaque jour, et ça, pour remonter moral à la population, qui lui-même, quand il y a des gars là, qui quand même participe à une opération pour aider, eh bien, une idée à beaucoup plus vite. Mais pour le moment, moral à la population, il est sous ça, mais il faut qu'on ait victoire. Ok, moi, bien avec mon guinée d'Imoro, parce que vous pouvez des exercices là, et moi, je n'ai pas de gain, et je n'ai pas fait une expertise là. Mais avant de aller net, et moi, je vois que vous déposez un document. La commission et justice à vérité. Depuis que nous avons fait des documents, ça m'a fait sur un pile. Ça passe même. Ça gagne des documents, ça fait que tout le monde a fait sur ça. Moi-même, moi toujours dit que je n'ai jamais parlé sans bagage de dossier. Et je suis moyen de commencer depuis Petro Calibé. Même après, je continue ce travail parce que ce qui est important dans le pays, c'est que là, par exemple, où tu as parlé, il y a des dossiers, je suis vous, et bien, moi, je ne vais pas démentir. Moi-même, moi, je pensais que le problème qu'il a, c'est pas un problème de vous émoter. C'est un tel qui fait ça, c'est pas un tel, c'est pour lui. C'est pas ça la prise du problème, ça fait résoudre. Il faut aller dans le dossier. Le dossier, je me parlais de l'IA,
c'est à partir de 2018, ok, président Jovenel avec le gouvernement a organisé okay, pour gagner des conteneurs qui rentrent par le ministère des Finances et conteneurs qui ont un pile de gens jusqu'à 2022. De 2018 à 2022. Ça veut dire que c'est un bagage voulu. Hein? C'est un bagage voulu, je déconne. Oui, on va évoluer. D'ailleurs, si vous regardez qui système vous mettez sous pied. Son système, par exemple, on parle de vous dire si vous gagnez, disons, un organisme agricole qui gagne une franchise pour le faire des matières premières en agriculture. Quand on organise ça, écrit le ministère de l'Agriculture, c'est le ministère de l'Agriculture qui m'a des franchises là pour. Mais si vous regardez dans tout le conteneur qui rentre, disons l'église épiscopale qui rentre avec des conteneurs, il n'y a pas passé par le ministère des cultes, il n'y a pas passé par le ministère de tutelle là. Organise là, il fait écrit directement au ministre des Finances. Parce que l'organisme qui écrit là, ce n'est pas vrai organisation, c'est un faux organisme qui écrit, qui passe au ministère des Finances. Et le ministère des Finances, je vais vous faire ce qui est en franchise, depuis ça est privé, il est autorisé. Donc moi-même, moi découvrir, je vais découvrir tout, puisque je n'ai pas accès à la finance, je découvre tout. Même découvrir qu'il y a au moins 29 conteneurs qui rentrent avec soi-disant cahiers, plumes scolaires, okay, que l'on prend non ONG américaine pour l'envoyer pour l'église épiscopale. ONG, ça a l'homme il fait contact avec elle, les dîmes sont seuls conteneurs qu'elle dévoyait. Et même si on prend papier que le voyait là, il fait faux avec elle, il y a même date là, il voyait 30 conteneurs sur le même papier ça. Et dans les derniers trois conteneurs, c'est là que j'ai découvert l'église épiscopale. Mais il y a 26, c'est ce qui est passé. Il y a 26 qui étaient passés avant 3 ça. Donc je dis à ça nous dit, c'est une bonne commission vérité. Et que tout le monde a parlé de questions ensemble, on dit, on a regardé tout ce qui est capable de conteneurs ça, que c'est environ 5 conteneurs ça. Il y a 26 numéros que j'ai identifiés, qui là, que moi-même, je remets. Que regardez qui moun qui était braillot et y aller loin là dedans parce que moun sont qui braillot ont été orientés comme des sauveurs de Libye aussi. Donc en fait là les loups mais important pour pays que ka wè toutes questions zam ça parce que moi même moi dit en 2018 là il y a une grosse manifestation dans pays gouvernement Jovenel là qui appliqué en politique côté que il te dit faut empêcher moun quartier populaire aussi et pour empêcher faut être armé moun quartier et était vraiment armé de 2018 jusqu'à 2021. Et politique, ça, un an après, Jovenel, il était continué jusqu'à 2022. Et il vient l'été jusqu'à ce qu'il vienne découvrir qu'on était dans l'église épiscopale. Même parce que c'est une enquête extrêmement importante. Dossier à l'idée de gens, coup d'appel, moi, il faut coup d'appel pas, dit, c'est pas l'église épiscopale. Vous voyez, moi, c'est pas l'église épiscopale, mais qui est-ce qui fait les amis? Et 26 conteneurs qui étaient entrés en voyou, qui est-ce qui fait entrer? Faut aller plus loin que pas si c'est l'église épiscopale, mais faut nous être. Et docteur, qui était responsable de cette franchise-là, non, finalement, il est sauvé. Pour qui ça le sauver? Alors que c'est lui qui est responsable pour l'autorisation. Autant de questions qui méritent pour nous répondre, qu'on a fait vérité, pour nous pas envoyer monter, à dire si on est, c'est pas honnête, alors que mon système armement, mon système armement qui était dans le pays de 2018, et me penser qu'il faut tout le monde parler pour répondre à la question de la commission. Ou même c'est la période de la pays armé. Oui. Moi-même, je dis dans le pays, il y a au moins 100 conteneurs qui étaient armés là-dedans, qui va venir. Et je vais parler à la chambre gouvernementale. Oui, parce que il passe par finance directement. Et je dis à Mbaldo, et vous dites, souvent radio à monter là, ou des appareils, ou on franchise, ou après 6 mois, avant le bon équipement. Mais quand t'es là, au début, on finit tout à fait. Nous avons 2 jours, 3 jours. Donc, son système qui fait sous place. Et moi, je pense que je dis à moi-même, comme la politique m'a habilité, justement, pour moi-même, c'est bon dans le franquet là, moi, j'ai une commission vérité, celle d'un monde qui va supposer, hors de toute question politique, qui vous mettre quelque chose sous place, et qui vous dit nation, mes vérités, mes actes et pas. Mais on voit la commission, ça, on voit la commission, ça, le gars, toi, mon BHC à la même. Oh, BHC a fait partie de mon gars, mais BIA. Ah oui. Ah oui. Ah oui, bon, ça, exactement, je dis, et c'est peut-être ça, quand le monde, qui te relève, la question, puis l'autre groupe, qui te dit, commission ça parce qu'à mener question hein? Et c'est peut-être ça vous dit jusqu'à présent tout document yo nous qu'embé yo nous beaucoup baillo parce que moi j'ai besoin que l'état si un problème qu'on s'a posé et si y a suspicion l'état doit lui même peut-être monter en commission neutre des monde qui hors de tout soupçon et moi même moi t'en ai mais ça parce que nation pas contre vérité là nation pas contre vérité oui parce que ou gagne ou même personnellement mais c'est mon gars sanction international mais gagne un paquet monde et peuple haïtien qui est très mal et comme là de l'autre partie du monde qui a mes pays là c'est ça qui sous dos. Et ma parole avant la matinée, c'est mon qui me conseille, je ne sais pas si je suis pour moi. Et puis, il y a des gens qui ont dit que je suis pour moi. Et maintenant, il y a des gens qui ont dit que je suis pour moi. Pour expliquer ce que je suis pour moi. Mais il y a des gens qui ont suivi la mission avant, ils ont dit que vous avez parlé là, ils ont fâché. C'est comme ça, là, ou pas qu'ils doivent parler. Oui, c'est bon, si on a une chose qui a arrivé, que, disons, qu'on sanction politique qui prend contre moi, une sanction judiciaire, sans faire une sanction politique, mais sur un minimum de réflexion, et bien, pour t'amender,
que ce soit politique ça, justement, qui sont vraiment, c'est juste qui détermine. Moi-même, je m'appelle, je m'appelle tout le monde, je regarde les militaires, parce que moi, je connais que je m'en ai fait ça. Moi, je connais que je m'en ai fait ça, je m'en ai fait ça, je m'en ai fait ça, juste là, c'est sous pression, je m'en ai fait ça, je m'en ai fait ça, et si je m'en ai fait ça, aux États-Unis, je parle. Parce que moi-même, je dis, là, il faut un combat politique, il faut attendre, c'est un combat de fin. Qui n'est pas de frappeur, 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 qui n'est pas de parler. Parce que l'homme parle, vérité, moi, le dis, frère, frère, là, majorité silencieuse, là, mais la troisième, la vraie que son aide qui va dans l'air caché. Parce que, je ne vais pas la casser, vous dites. Vous pensez que je vais dans le dossier toujours. Je vais aussi dans le côté, je ne vais pas. Je vais aussi dans le côté, je vais appeler mon appart. Vous me excusez. Non, je vais là. Je vais taper tête droite. Je vais mettre le dossier dehors juste parce que vérité a connu. Et si ces moments, ça va me passer, si ces moments difficiles là, je vais traverser et je vais retourner avec toujours même conviction pour me faire bataille là. Parce que je dis à bataille, ça, il m'a dit des mondes, il y a conviction. Il va faire, même genre, même côté, il vous dit à sauter fort à la côté là. Mais en même temps, moi, tout baisse à vous venir, c'est pendant et depuis le où mettez baisse à dehors. Non, il n'y a pas tout ça encore. Même les coco-actions, il y a fait la 6 mois. Non, mais non, radio, vous n'avez pas, si je ne connais pas, il ne va jamais connaître. Ok? Comme si je ne mets pas ça dehors, il va jamais dire baisse à dehors. Donc, qu'est-ce que ça, vous et vous dites, je vais les brûler. Parce que si je vois ici, si je dis ça, je vais les brûler. Parce que heureusement, que même mon naïf, qui gagne, pour y être là, côté monsieur, il va jamais connaître, il va jamais rencontrer. Et comme de fait, c'est pas un monde que nous connaissons, surtout. La seule chose, le militaire de Guinée n'est pas trop l'égonage. Moi, je dis, attention, monsieur, si Guinée est un mouvement opposition à la volée, moi-même, c'est le métier de l'Union, je ne sais pas si je parle pas la volée. Donc, si je dis, et que je me dis en parole, c'est ça que je veux dire, non, je ne vais pas préparer. Bon, où est le mot? Moi, je dis, où dit, tout ça, je vais faire ça, je dis, parce que moi, je connais que, moi-même, comme journaliste professionnel, je vais poser une question, je vais répondre, je vais répondre, et toutefois, pour les mots, répondre, toutefois, j'ai besoin de dossier. Même j'ai envie de faire le grand dossier des thèmes. Monsieur Jean, j'ai envie de faire le grand dossier pour toutes mes vignes parler avec documents. Et je vais faire la bref. Qui est-ce qui est dans l'examen? Qui est-ce qui est l'armée? Qui est-ce qui est le cravé en position de ça? Et vérité à ceci. Donc c'est pour vérité, ça n'a pas d'avis. Vérité, ça n'a pas quand même. Et on nous vient de voir faire une masse dans une facteur. On va dire qu'on ouvre les marques et m'a fait placer ma campée là. On fait la terre là pour vérité à connu. Et m'a dit tout le monde, je vais profiter de la dernière. C'est la terre là aussi. Il compte plus. Il compte dossier. D'ailleurs, j'ai envie de 10 dossiers à Parlement. Nous faisons loi sur ces SPJ. Mais si notre IA, tout côté, donc, ma connaît qui a investi tout bien, il va avoir beaucoup d'investir ce domaine, on voit que ce domaine a frappé, il faut faire ce domaine où il tue l'hélicoptère pour que le décalé, c'est le décalé du tout pour lire, on va croire que c'est une médecin encore, qui va parler que le pays a marché. Vous avez parlé pour ce domaine? Non, ma connaît pour ce domaine, on va tout dire ce côté. On a fait investissement, les organes, progrès, bonalise. Et on continue à faire, on dit puisqu'actuellement, nous sommes groupes à travail sur l'université indépendante. De l'Antibonite. Il y en a plus pour l'université, il y en a plus pour campus qui va rien à Glenora. Parce que nous disons déjà que je dis à des mounes, puisque des gens ont le leadership, ils n'ont pas qu'à courir, ils n'ont pas qu'à l'autre côté pour y aller, il faut y travailler, parce qu'en attendant, on n'a plus y aller. Donc on a eu plein de problèmes, ils ont pas déplacé qui vont aller, mais il faut qu'il y ait des mounes qui ont espoir, il faut qu'il y ait des mounes qui créent une situation malgré leurs difficultés. Donc on continue à investir dans le pays, parce que le monde qui veut le pays à craser, c'est le monde qui connaît, qui parle de pays et qui prend tout comme il va investir. Et tout le monde connaît investissement mieux, que ce soit Gonaïve, que ce soit Pauvres, que ce soit Yoga. C'est là que je me demande de parler à vous, oui. Et merci un peu pour l'explication de nous sur tactique. Nous avons besoin qu'on ait soit fait, qui j'en ai fait déplacer le rivière contre le rivière. Et puis, tu parles de me faire avoir sous bagage comme son vérité. Merci un peu, Woody. Et je suis disponible à chaque fois que nous voulons. Et je vous dis que je vais parler, poser n'importe quelle question, parce que j'ai vérité à vous aussi. Et je vais souhaiter vous dire qu'aucun des dossiers ça, ou que le dossier question, j'aime ça, eh bien, même genre de qu'il pile l'autre dossier avant. Merci à vous, sénateur. Et c'était sénateur Yuri, ancien sénateur Yuri Latortue. Et pour moi, qui fait brancher, qui va la suivre l'émission à commencement, je ne vais pas recevoir personne dans l'émission. C'est moi-même qui pose un problème. Là, je parle de monde qui est là, je vais parler pour nous. Je parle pour monde qui vient de la mi-temps avec Yuri Latortue. Parce que moi, je dis, ah, je vous dis, je ne suis pas politicien. Là, l'émission, je vais parler avec un ancien militaire.
j'ai besoin de question dans c'était un monde qui fait tactique dans l'armée capable de répondre mais pas moi-même. J'ai posé question qu'on a là, j'ai relé colonel Rebu. Et puis gagné des auditeurs, m'a demandé tout dit moi mettre Rebu, moi Rebu pas venir et puis gagne l'autre monde qui vient pas me conseiller relé lui la tortue. Mais qui raison qui fait sénateur la tortue t'a parlé dans l'émission. C'est pas politicien qui t'a parlé, c'est